Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous parlerons des coups d'État en Afrique. Ceux-ci ont eu lieu en Afrique francophone. Alors, avant de continuer, si tu es nouveau sur la chaîne, like et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, on commence. L'actualité africaine est aujourd'hui, depuis mercredi dernier, dominée par le coup d'État au Gabon. Ce dernier est venu allonger la liste, déjà très longue, des pays africains dans lesquels les militaires ont pris le pouvoir par la force. Cinq pays francophones africains ont été secoués par des coups d'État depuis 2020. Ces pays sont Mali, Guinée, Burkina Faso, Niger et maintenant le Gabon. Dans la suite de cette vidéo, nous donnerons un peu plus d'informations sur cela. Nous commençons par le Mali. Le 18 août 2020, Ibrahim Boubacar Keïta est renversé par des militaires, donnant le pouvoir à M. Mba pour une phase transitoire. Le 24 mai 2021, M. Mba est capturé à son tour avant que le général Assimi Goïta ne soit désigné président de la transition. Ensuite, nous prenons le cas de la Guinée qui, le 17 septembre 2021, un coup d'État mené par le colonel Mamadi Doumbouya est devenu président de la transition, mettant ainsi fin au mandat d'Alpha Condé. Ensuite, nous avons le cas du Burkina Faso qui, le 23 janvier 2022, le président Roch Marc Christian Kabore est contraint de démissionner après une mutinerie dans l'armée. Et le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damimba prend la tête du pays en tant que président de la transition. Le 30 septembre 2022, Damimba est lui-même renversé par le capitaine Ibrahim Traoré qui le remplace jusqu'à présent. Puis nous avons le cas du Niger. Le 26 juillet 2023, le président élu Mohamed Bazoum est toujours détenu au palais présidentiel depuis la prise du pouvoir par Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dirigé par le général Abdourahmane Tchiani. Enfin, nous avons le cas du Gabon, qui le 30 août 2023, le comité de transition et de restauration des institutions a pris la parole à la télévision nationale dès l'aube pour annuler la réélection d'Ali Bongo lors du dernier scrutin intervenu le 26 août 2023. Le dernier coup d'État au Gabon et celui intervenu en juin au Niger viennent ainsi enfoncer le clou d'une indéniable perte d'influence française en Afrique francophone. Les relations sont en effet particulièrement dégradées entre Paris, Bamako, Niamey et Ouagadougou et pourraient le devenir avec le Congo après la fin du règne de la dynastie Bongo. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.